Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi, qui reçoit ce soir quelqu'un qui ne vient pas du monde de la chanson et de la musique, quoi qu'il aurait pu, et vous saurez pourquoi plus tard. Il n'est pas non plus un grand footballeur, quoi qu'il aurait pu l'être aussi, et comme il aurait pu avoir une grande carrière internationale dans les échecs, mais non, il a choisi une autre voie, celle du savoir, de la science et de la recherche. Il s'agit du professeur Abdeljalil Wahabi. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. Je rappelle, vous êtes un professeur de renommée internationale et je voudrais justement partager ce moment avec nos téléspectateurs et parler de vous, de votre réussite à travers un programme de télévision comme cela se fait dans notre émission. Alors, professeur, c'est quoi comme titre? Parce que souvent, quand on parle de professeur en Algérie, on pense à la médecine. Mais c'est quoi professeur? Alors, professeur, c'est le plus haut grade universitaire. Mmh. On peut être professeur en médecine, bien sûr, oui. Mais on peut être professeur en littérature, en droit, en ingénierie, en informatique, mmh. etc. Est-ce que c'est la même équivalence ici chez nous en Algérie quand on parle de professeur? Puisque je rappelle que votre titre, vous l'avez obtenu à l'étranger et pas en Algérie. Voilà. On ne peut pas parler d'équivalence, mmh. parce que le mode d'obtention, il est différent. Oui. Par exemple, je vous parlerai de la France, parce que je connais très bien comment que ça se passe là-bas. Eh bien, pour être professeur, il faut déjà être maître de conférence auparavant, mmh. passer une habilitation à diriger des recherches, mmh. c'est-à-dire qu'on est apte à diriger et à encadrer des docteurs, mmh. des doctorants. Et après, il y a un concours. Il y a un concours. D'abord, il y a une qualification pour être professeur. Ensuite, il y a un concours ouvert au monde entier. Mmh. C'est-à-dire, n'importe quelle personne qui a les compétences pour être professeur peut postuler à ce concours. Mmh. Et puis, bon, il y a un classement. Et le premier du concours aura le poste qui répond à un profil donné. Mmh. Donc, voilà. En France, par exemple, le grade de professeur a beaucoup d'importance parce que le professeur est nommé par la suite par un décret du président de la République. Comme c'est le cas pour vous. Voilà. Mmh. Voilà. Très bien. C'est quoi le domaine de Abdeljalil Wahabi? Alors, mon domaine, c'est le traitement du signal. Mmh. Alors, on peut me dire qu'est-ce que c'est que le signal? Ouais. Le signal, c'est le véhicule de l'information. Si mmh. on veut transmettre une information, on est obligé d'utiliser un signal. Mmh. Et l'objectif, c'est d'extraire l'information utile. Si mmh. l'information, elle est perturbée, on essaie de la traiter afin mmh. de l'interpréter. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est? Alors, le signal, il peut être à une dimension, à deux dimensions, comme des oui. images, des vidéos, etc. Alors je rappelle que le but aujourd'hui, c'est de vulgariser un peu la chose. Hein, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent rien hein, dans le traitement du signal. Et surtout, moi, ce qui me fascine le plus, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il sera beaucoup question d'intelligence artificielle. Alors, très brièvement, parce qu'on en reparlera après, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, bon, c'est une intelligence, comme par définition, elle est artificielle, donc il y a une machine. Machine, oui. Et on voudrait que la machine puisse reproduire le fonctionnement du cerveau. Voilà, brièvement, ce qu'on entend par intelligence artificielle. Je parlerai tout à l'heure, peut-être, je développerai plus cette idée, voilà. Très bien, alors je vais vous montrer une photo de quelqu'un que vous connaissez très bien, puisque c'est un ami à vous. Il s'agit bien sûr de Cédric Villani, ouais. qui était en Algérie, ça fait pas très longtemps, qui est mathématicien, il est professeur comme vous, sauf que lui, c'est aussi un homme politique, contrairement à vous. Et vous l'avez connu comment? Alors, bon, Cédric Villani, c'est une personnalité assez atypique. C'est un ami de l'Algérie. Oui. Il a beaucoup contribué pour que l'assassinat de Maurice Audin soit reconnu par les autorités françaises. Oui. Et c'est un brillant mathématicien qui a obtenu la médaille Fields. La médaille Fields, je rappelle pour les téléspectateurs, mmh. c'est l'équivalent en quelque sorte du prix Nobel. On sait que le prix Nobel est réservé à quelques matières. Ouais. La physique, la chimie, la médecine biologie, ouais. la littérature, par la suite la paix, ouais. et récemment, plus récemment, à partir de 68, c'est pas tout à fait un prix Nobel, mais on peut dire un prix Nobel d'économie. Mmh. Voilà. Mais comme il n'y avait pas de prix Nobel de mathématiques, mmh. donc
un mathématicien qui s'appelle Fields, John Charles Fields. Oui. Donc, il a créé un prix réservé aux mathématiciens qui a comme particularité, c'est de le donner, de l'octroyer tous les 4 ans. Oui. Et à des personnes qui, dont l'âge ne dépasse pas 40 ans. Mmh. Donc, il y a des contraintes. C'est plus difficile d'avoir une médaille Fields que d'avoir un prix Nobel. Un prix Nobel. Voilà un peu... On peut discuter peut-être pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Oui, justement. Mais là, bon, allez, si. C'est très controversé parce que le secret, c'est Nobel qui l'a. Hein. Oui. Je rappelle pour les téléspectateurs que Nobel, c'était un chimiste qui a découvert la dynamite. La dynamite, c'est, pour les chimistes, c'est la trinitrotoluène. Oui. Donc lui, il pensait que ça allait servir pour les bienfaits de l'humanité, par exemple pour construire des tunnels, etc. Oui. Mais ça a été utilisé aussi... Pour les guerres, hein, la dynamite, les explosifs et tout ça. Oui, donc, à sa mort, il avait accumulé beaucoup d'argent, il a voulu, en quelque sorte, se dédouaner et remettre un prix qui est de près de, $1 million. Mais ce n'est pas le prix matériel qui est important, c'est l'autorité, la notoriété, l'autorité morale d'un lauréat d'un prix Nobel. Et donc, il a voulu donner ça à tous ceux qui font des avancées pour l'humanité, que ce soit la recherche ou la paix, etc. Et pourquoi il n'y a pas de mathématiques? Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques? Il y a diverses écoles, certains disent qu'il avait quelques problèmes avec un mathématicien suédois, d'autres disent... que sa fiancée serait partie avec un mathématicien. Donc, la vérité, on ne la connaît pas en réalité. Mais je pense que ça va dans ces sens-là. Voilà. Oui, mais ça veut dire aussi... Ça veut dire aussi, effectivement. Ça veut dire qu'on peut être un grand scientifique. On reste un être humain. Et on n'en demeure pas moins qu'on est humain, avec nos faiblesses. Tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant. Alors, vous m'aviez parlé de Cédric Villani, qui a justement contribué à ce que... qu'il y ait des avancées en matière de... Effectivement. D'intelligence Cédric artificielle Villani, en France. Fait, il n'était pas... vous avez dit tout à l'heure... qu'il était un homme politique. Au départ, il n'était pas en politique. C'est que récemment, on lui a proposé d'être député. C'est un choix. Hein, il est député. Oui. Alors, il a été chargé par le président de la République française de faire un rapport sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la France est en retard en intelligence artificielle. Les États-Unis sont très, très en avance. Mm-hmm. Et par la suite, il y a la Chine qui fait des avancées et un peu la Finlande et la France est en retard. Alors, Villani a proposé donc un rapport au président français et immédiatement après, 1,5 milliard d'euros ont été débloqués pour ce sujet, ce qui démontre l'intérêt actuel. Ouais. Et justement, mon message, c'est dire qu'on est en train de vivre une révolution, une révolution de l'intelligence artificielle. Ouais. Et cette révolution, elle est, en ce qui me concerne, je la vois au même titre que la révolution industrielle du 19e siècle. Ouais. Et donc, il importe pour nous également de s'y intéresser, parce qu'on peut, le faire. Ouais. Des compétences existent en Algérie. Et les investissements pour cela ne sont pas énormes. Ouais. Ne sont pas énormes. Il suffit d'avoir de l'intelligence humaine et des machines informatiques. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple que si on se lançait dans la construction des avions ou la construction des centrales nucléaires, etc. Très bien, on en reparlera. En tout cas, c'est très passionnant. Mais moi, je voudrais d'abord que nos téléspectateurs découvrent qui est le professeur Abdeljalil Wahabi. Et du coup, je me suis permis de fouiner un peu dans votre enfance, dans votre vie. Et pour parler d'Abdeljalil Wahabi, il y a un programme. Vous avez choisi de le démarrer avec une chanson qui revient souvent. On me réclame souvent la chanson de Ahmed Harachi Ya Rayah. J'aurais voulu que vous fassiez un autre choix, mais bon, c'est très justifié dans votre cas et les gens sauront pourquoi. Donc on va écouter un extrait de la chanson Ya Rayah de Ahmed Harachi. Après, il nous dira pourquoi il a choisi cette chanson. On écoute.
juste un petit extrait parce que je veux vraiment profiter de votre présence aujourd'hui, ce soir, avec nous pour parler de choses qui me fascinent beaucoup, en tout cas moi. J'espère que ça fascinera nos téléspectateurs. Alors, je pense que Dahma al-Harachi, c'est un choix du cœur, vu que vous êtes un enfant d'Al-Harach. Vous y êtes né, je crois. Vous y vivez toujours, à part, bien sûr, lorsque vous êtes à l'étranger. C'est peut-être pour ça tout que vous à avez fait. Bon, pour deux choses, en réalité. Ce n'est pas seulement ça. Ouais. Bien sûr, je suis natif d'Al-Harach. Je rappelle pour nos téléspectateurs qui sont ailleurs, qui ne connaissent pas forcément Al-Harach. Oui. Al-Harach, c'est la banlieue d'Alger, à une dizaine de kilomètres du centre d'Alger. Ouais. Ça s'appelait Maison Carrée à l'époque. Voilà. Voilà. Donc, je suis natif de cette banlieue. Mais aussi, c'est le sens de la chanson. Les termes qui sont utilisés, les paroles de cette chanson, « Ya Rayeh », lorsqu'on part, on finit par revenir. Ouais. Voilà. Et ça, c'est mon cas. C'est mon cas. Je suis sur le retour en Algérie. Oui, je sais que vous préparez votre retour en Algérie, et on en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors, moi, je suis un peu curieux. Un mot sur votre enfance ? Alors, moi, je suis issu d'une famille très modeste. Bon, on était heureux, les moyens matériels n'étaient pas comme maintenant. Ouais. Et donc, j'ai grandi dans une famille modeste, dans un quartier populaire. Et puis, à l'adolescence, au niveau de l'université, on croyait en l'Algérie. Ouais. Hein, on avait beaucoup d'espoir. Hein, ouais. Même si le côté matériel manquait. Hein, ouais. Voilà. Et c'est ce que je peux dire sur ça. Donc, ça se passait très bien. On était heureux. Notre jeunesse était heureuse. Était insouciante, heureuse. On avait de l'espoir. Mais moi, je sais que tout petit déjà, vous vous distinguiez, vous étiez le petit génie de la famille d'abord, du quartier, puis de la classe et de toute l'école. Je présume que vous ne réalisiez même pas, puisque à cet âge-là, on ne réalise pas. Pour vous, c'était normal. C'est un don du ciel, donc... C'était normal, c'est une chance. C'est une chance du ciel, c'est une chance. Ouais. On n'a pas choisi. mais il faut dire aussi que lorsqu'on a une chance, il faut travailler. Mmh. Il faut travailler, il faut concrétiser. Hein. Mmh. On parlera de football. Je citerai des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui est très bon, il a une technique, un don. Mais s'il ne s'entraîne pas, s'il ne travaille pas, eh bien, il va être dépassé. Donc, il faut le travail, il faut continuer à travailler. Hein. Ouais. Même si on a au départ une chance, il faut beaucoup de travail. Vous m'aviez dit même à un certain moment, vous veillez très tard. Et votre maman avait peur pour vous parce qu'à l'époque, on disait « Balaki hebel mlqaraya », c'est-à-dire il peut péter un câble juste parce que… Oui, ça c'était lorsque je voulais passer le baccalauréat avant d'être en troisième année secondaire, c'est-à-dire la terminale. Je l'ai passé en classe de première, c'est-à-dire la deuxième année secondaire. Et donc j'ai beaucoup travaillé et puis je l'ai obtenu, j'ai obtenu mon baccalauréat. Avant mes camarades de classe. Voilà. J'ai préparé le programme tout seul. J'ai dû travailler dur. Ouais. Et puis, bon, j'ai obtenu le bac scientifique. Et votre maman, la pauvre, elle se faisait des soucis. Oui, elle se faisait des soucis parce qu'il y avait une croyance que si on travaillait beaucoup, bon, on risque de. de péter un câble. Vous travaillez beaucoup? Mais moi, je me suis informé comme ça auprès de vos amis d'antan et tout. Ils m'ont dit, c'était quelqu'un qui jouait tout le temps avec nous, qui traînait beaucoup avec nous et qui jouait au football, qui jouait à beaucoup de choses. Et moi, donc, j'ai envie de parler de ça parce qu'on a des clichés sur vous. On vous prend pour des rebachines, comme on dit. Hein, vous êtes dans une sphère complètement fermée et tout. Alors, avant de parler de ça, j'ai envie de vous montrer une séquence. Alors, vous vouliez voir une séquence du match Algérie-RFA du Mondial 82, mais comme on en a déjà parlé avec d'autres invités, moi j'ai voulu donner la chance à une autre séquence, et je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a deux joueurs avec qui vous avez joué. On regarde la séquence et on revient juste après. Donc Algérie, Irlande du Nord, c'était en 1986 à Mexico. On regarde. Le Mexique, un bout de 420 km. عن العاصمة مكسيكو والحكم يحتسب خطأ ضد منصوري
لصالح رقم 7 ستيفن بيني الفريقين المنتخب الوطني الجزائري ببدلة حمراء على الشاشة وإيرلندا الشمالية وورتينغتون قطفة قوية وهدف هدف خادع الدفاع والحارس لأن الكرة اصطدمت وهذه الإعادة اصطدمت باللاعبين ودخلت للشبكة الجمهور المكسيكي الغفير ليشجع في المنتخب الوطني يأثر فيه إلى جانب الجمهور البرازيلي بينما تلقى من زيدان تلقى من زيدان زيدان وماجر زيدان وماجر ضيع ماجر ضيع ماجر ضيع ماجر ضيع ماجر فرصة ذهبية ثاني فرصة ذهبية في دعم المنتخب الوطني زيدان راقب كورتو زيدان يبحث على مساعدة قاسي سعيد ريحة قاسي سعيد ريحة العصاد لكن ما يفهمش مع رفيقه يمشي مع رفيقه كان في خطأ اللاعبين الإيرلنديين يتميزوا بالاندفاع البدني بالخشونة في بعض الأحيان يتعمدوا الخشونة في بعض الأحيان خلفة مليحة لو استغلوها اللاعبين استغلال عقلاني راح تكون إصابة التعادل مليحة والهدف ممتازة شوف الكرة مشت الزاوية اليسرى للحارس يمين بعد التمريرة من قاسي سعيد زيدان بقوة يقذف ويعدل النتيجة يعدل النتيجة يا سلام يعدل النتيجة في دقيقة 13 اللومي قاسي سعيد وتتجسد الخطة بتاع المدرب الوطني خطة دفاعية خطة المحافظة على النتيجة والحكم السوفياتي بوتينكو يعلن على نهاية المقابلة. Voilà. Alors, c'est un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. Et le but était marqué par Jamel Zidane, avec qui vous aviez joué, lui et Gündoğan. C'est pour ça que j'ai fait exprès de montrer la liste des joueurs des 11 titulaires. Et il y avait Gündoğan et Jamel Zidane. Oui. Gündoğan. Il était à l'époque, lorsque j'étais cadet, puis junior première année, puis j'ai arrêté. Ouais. Lui, il était junior troisième année à Al-Harrach, voilà. À l'USMMC, ça s'appelle Maison Carré. C'était l'Union sportive des musulmans de Maison Carré. Maison Carré, voilà. Maintenant l'USMH, Harrach. Voilà. Par contre, pour Zidane, ouais. Zidane, bon, je dis aux téléspectateurs qu'il n'a pas... De lien de parenté avec Zinedine Zidane. Oui. Hein. Oui. Donc, lui, je n'ai pas joué avec lui, mais contre lui. Contre D'accord. lui, lorsqu'il était junior. Il était junior troisième année. Et je me souviens plus du score, mais ils nous ont bien battus. Hein. Ils étaient très forts. Ils étaient très forts. Oui. Et là, bon, c'est bien de montrer bon, cette équipe nationale, 82, mais 86 aussi. C'était valable. Ouais. Il y avait des joueurs très brillants. Hein. Ouais. Il y a Dahleb, je ne crois pas qu'il ait joué en 86, mais en 82, il a joué. Ouais. Dahleb qui a laissé une histoire au ben Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Et en tant que buteur, il a été, son record n'a été, je crois, égalé que récemment par Ibrahimovic, je crois. Ouais. Mais, et donc, c'était quelqu'un qui a laissé une histoire. Ouais. Un joueur comme Belloumi, c'est un puriste, un artiste. Ouais. Un joueur comme Assad, qui est, pour moi, c'est un étalon, c'est un dribbleur, des tirs très puissants. Madjer, qui est aussi un dribbleur, il a cette spontanéité, cette explosion lorsqu'il a marqué le premier but de, il a été vers l'avant. Donc, c'est quelqu'un de très actif. Donc, on avait une équipe qui est très bonne. Et en 82, bien sûr, en 86, il y a eu Gündoğan, Mansouri, Zidane, Loumi, etc. Donc c'est une brillante. Et puis c'est un petit rappel, c'est un souvenir. Alors, juste pour l'anecdote, puisque vous aviez dit qu'il n'y avait pas de lien de parenté avec Zinedine Zidane, moi j'ai eu la chance de recevoir Jamel Zidane. Je lui ai posé la question. Alors il paraît que quand Zinedine Zidane était jeune, il se faisait passer pour un neveu de Jamel Zidane. D'accord. Et il me l'a confirmé très gentiment et très modestement. Et il m'avait dit même qu'il lui avait offert son maillot tout petit.
ici et il était très fier de porter le même nom que Jamel Zidane. Après, il a eu la carrière qu'on lui connaît. Alors, en plus du football, il y avait aussi la musique, puisque vous jouiez à la guitare, vous étiez soliste au sein d'un groupe au lycée Abba Ramdan d'El Haraj. Ouais. Oui, oui, on avait le groupe du lycée, et puis ouais. Bon, on jouait pour organiser des fêtes, les fêtes de remise des prix, ouais. À diverses ça. Occasions, le ouais. Mouloud, etc. Donc bon, on jouait pour nous et j'aimais bien bon la musique. La musique à l'époque, bon, c'était la musique pop, hein, occidentale. Ouais. Hein, bon, c'était ça. Les jeunes, ils étaient ouais. très branchés de ce côté-là. Mais à un moment donné, on voit que On est limité parce ouais. qu'on reproduit, peut-être qu'on transpose les notes, peut-être pas ouais. les vraies notes. Ouais. Bon, mais bon, la mélodie, c'est ça. Mais on voit qu'on est limité. Et par la suite, je voulais un peu progresser un peu plus. Mmh. J'ai dû m'inscrire pour faire le conservatoire. Uh-huh. Le conservatoire, c'était à l'époque, c'était du côté de la place Emir Abdelkader. Il y a ouais. un immeuble, c'était chez des privés. Ouais. Je me souviens, c'était une dame, une vieille dame, une française qui ouais. nous apprenait le solfège, la mesure, battre ouais. la mesure, ouais. etc. Et donc, il fallait passer par là. Mais tout ça, ça reste sur un plan purement amateur. Hein. Ouais. C'est pour moi. C'est mais ce qui est bien... J'avais aucune prétention sur ce sujet-là. Ce qui est bien chez vous, professeur, c'est que même quand il s'agit de musique, vous voulez faire les choses convenablement. Il fallait étudier aussi la musique. Il fallait apprendre. Il fallait apprendre la musique. Parce que lorsqu'on a des bases de musique, lorsque j'entends ou j'écoute une chanson, une musique, j'essaie de décrypter les différents instruments. Ouais. Parce qu'on a cette oreille. On sait ouais. ce que joue le bassiste, ce que joue le pianiste, ce qu'il est en train de faire, etc. Ouais. Et ça, c'est très ouais. intéressant de pouvoir bien... comprendre et puis profiter de la qualité d'une musique. Alors mes recherches m'ont dit aussi que vous couriez beaucoup, vous aimez courir. Oui. Hein? Vous courez comme ça Oui, alors bon, je courais, je participais à beaucoup d'open, les ouais. open c'est ouvert au public. Au public, oui. Au public, et le dernier open ici auquel j'ai participé en Algérie, c'est 1991. Uh-huh. Le départ, il s'est effectué à Maqam Shahid, uh-huh. et l'arrivée, c'était à Ain Bniyan, stade de Ain Bniyan. Ouais. Et dans mon bureau en France, j'ai la photo d'un journal algérien ouais. et où j'étais, on me montrait. Et puis, celui qui a donné le départ, uh-huh. c'est un personnage très, très respecté dans le monde. Ouais. C'est Nelson Mandela. C'est lui qui a donné le départ ouais. pour cette Open, cette course ouais. qui faisait à peu près 21 km et demi. Ouais. Ouais. Et puis, bon, en France, gravé. J'ai continué à courir. Et l'université, par exemple, l'université à Tours sponsorise tous les étudiants et le personnel, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, pour courir, participer. Il y a un marathon de Tours. Hein. Ouais. J'ai souvent participé. Malheureusement, ces dernières années, j'ai un peu levé le pied parce que je voyage beaucoup, je viens beaucoup en Algérie, etc. Ouais. Et bon, lorsqu'on faisait du sport, lorsqu'on fait du sport et on arrête, on prend quelques kilos, hein, quelques ouais, petits kilos, ouais. et donc il faudrait reprendre, faut ouais, reprendre bah le oui, sport. Bah hein. oui. Le sport, c'est la santé. Et ça voilà. me rappelle quand on était petit, on nous disait tout le temps, l'aql salim, fil jism salim, je crois qu'un esprit sain dans un corps sain. Tout hein, à fait. Donc tout c'est à fait, important aussi. Alors je sais aussi que vous jouiez beaucoup aux échecs. Oui. Hein oui, les échecs. C'est un autre sport, on va dire, un sport cérébral. Cérébral, ouais. cérébral. Et effectivement, j'ai joué aux échecs, j'ai joué à l'Harrach. J'avais une équipe, hein, on m'a chargé de gérer une équipe, mais en tant que joueur. Ouais. Et puis j'ai joué à la Sonatrach, ici à Alger. Et par la suite, j'ai continué en France, j'ai participé à des Open internationaux. Ouais. J'étais classé par la Fédération internationale. Et on appelle ça ELO, le nombre de points, j'étais à peu près à 2000. 2000, bon, j'ai pas atteint le niveau de maître international. Oui. C'était un peu candidat maître, si on peut dire. Voilà. Oui. Mais depuis, j'ai arrêté. Pour quelle raison? Parce que ça prend du temps. Oui. Il faut s'entraîner. Lorsqu'on atteint un niveau de participation à des compétitions internationales, oui. il faut s'entraîner quotidiennement 3-4 heures. Oui. Et je pouvais pas faire tout ça. Mais ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a apporté de la réflexion, de la combinaison. Aussi, ce que j'ai appris, il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Ouais. Il ne faut jamais dire que la partie est gagnée. Ouais. Il faut aller jusqu'au bout.
Très voilà, bien. Ça, c'était, c'est ce que j'ai retenu des échecs. Et voilà. Je sais que vous avez plusieurs trophées dans votre bureau. Voilà, voilà. Ouais. C'est vrai que, disons, dans la région de la Touraine, mais localement, hein, ouais, pas au niveau international, mais localement, oui, je gagnais souvent des tournois. Oui. Dans mon bureau, il y a plein de coupes, plein de médailles, etc. Très bien. Alors, je vais vous proposer une petite respiration, comme on dit chez nous, à travers votre deuxième choix. Vous avez choisi une émission de notre ami Selim Saadoun, qui avait pour titre à l'époque « À l'ombre des étoiles ». Et ce soir-là, il recevait un autre ami à nous, notre ami Abdelmadjid Mskoud, qu'on salue, et qui va de mieux en mieux, hein, je vous rassure. Donc, on va regarder un extrait de cette émission et on revient juste après. À l'ombre des étoiles, une émission présentée par votre clou pivotant, Selim Saadoun. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous ce soir dans le cadre de l'émission donc à l'ombre des étoiles, et nous avons pris l'habitude de recevoir des vedettes, alors que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de vous présenter un homme qui sort du commun, un homme qui est vrai, un homme authentique. Je nommerai par là notre ami Abdelhamid Mskoud. Volontairement, j'ai déformé votre nom. Mais allez, c'est pas méchant. Alors, amis téléspectateurs, à la fin de l'émission, vous saurez pourquoi je l'ai appelé Abdelhamid Mskoud. Alors que c'est Abdelmadjid Mskoud. Alors, j'expliquerai à la fin de l'émission. Très bien, très bien. D'accord ? فشدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين فشدو بلاد سيدي الثعلبي عبد الرحمن أحبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين سيدي يحيى أقربي وسيدي محمد بو قبري قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا صهرين ولاد العاصمة وين كش واحد شدو مزوج حنا قطع في العامكم لما تزوج يا راجل والدنيا موت موت واش فيها والحالي وجيب الزمنية جية وجيب المسامع ويبدا كل ما يدخل يا 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 كل ما يخرج يا يا بعد يبدا يسمان يسمان الحلي والماء ما يكون إلى الدعاء ما بلا مزاهين شني هو الدخيل هاي مولة العشاء هاي لا زبيدة جاية ما الله تمشي وتدحدح Voilà, alors en parlant de Selim Saadoun, ouais, j'ouvre juste une petite parenthèse pour saluer une certaine Zahra qui est en France et qui est une grande fidèle de l'émission. Alors pourquoi cette émission à l'ombre des étoiles ? Ben, moi, j'ai trouvé que c'était une émission assez innovante. Ouais. Et puis il y a une certaine fraîcheur, ouais, c'est décontracté. Ouais. Et c'est ça, donc il y a... je crois que, bon, je ne connais pas personnellement Selim Saadoun, ouais, mais je crois qu'il a fait des choses assez nouvelles pour, ouais, la télévision algérienne. Et je rappelle que, étant à l'étranger, vous regardez tout... beaucoup les programmes algériens. Eh bien, ça, c'est, je ne suis pas le seul, ouais, pour dire la vérité, oui, entre nous. Souvent ici, les gens regardent lorsqu'ils sont obligés, peut-être, ouais, ils regardent certaines émissions, certains... ouais, ils font un choix. Et sinon, ils sont branchés ailleurs. Oui. Mais lorsqu'on a été à l'étranger, on veut un lien, ouais, avec l'Algérie. Et donc, c'est à travers la télévision. La télévision. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué où se trouve Al-Harrach, mais oui, en carré. Oui, parce que oui, peut-être vrai, des anciens ne se souviennent pas. Ou, oui, c'est vrai. Ou, c'est vrai. Bon. Et donc, vous avez bien fait. C'est important de penser à expliquer certaines choses, ouais, à des gens qui sont là-bas. Parce que non seulement eux, mais leurs enfants également. Ouais. Leurs enfants, ils essaient d'initier leurs enfants à un lien avec l'Algérie à travers la télévision. Mmh. Et donc, on regarde beaucoup ça et j'ai beaucoup apprécié cette fraîcheur, cette nouveauté, ouais, une télévision décontractée. Pour revenir à vous, vous obtenez votre bac, on l'a dit, une année avant la terminale. Donc, vous avez préparé votre bac tout seul et vous l'obtenez avec mention.
et vous décidez, bon, au départ, vous vouliez faire médecine, et curieusement, on vous retrouve à l'USTHB, à l'Université des sciences et de la technologie, Houari Boumdine. Ça s'est passé comment ? Bien, en réalité, c'est un voisin. Uh-huh. Moi, je faisais la... Parce que, bon, on devait s'inscrire à ce qu'on appelle la Périne, là, du oui. place 1er mai. Oui, voilà. c'est il y avait l'école de médecine. Deux files d'attente. Oui. Deux files d'attente pour les sciences biologiques. Donc, ça rentrait ouais. la médecine. Et puis, à côté, sciences exactes et technologiques. Mmh. Moi, je faisais la queue, donc pour les sciences biologiques et médicales. Oui. Et puis, il y a un voisin, il m'a dit, non, toi, tu es trop fort en maths, en physique, il vaut mieux aller là. Donc, je l'ai suivi. Oui. Bon, je l'ai suivi, puis bon, je me suis retrouvé donc en sciences exactes et technologiques. Ah. Et on avait inauguré Beb Zouar. Beb voilà, Zouar, c'était la première promotion de Beb Zouar. Ouais. Beb Zouar. Ouais. Mais à l'époque, Beb Zouar, ceux qui faisaient médecine, le tronc commun, faisaient à Beb Zouar également. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors cet ami-là, ce voisin, il a fait 6 mois de sciences exactes et technologiques, et puis il m'a dit, non, ça, j'aime pas trop. Alors il m'a dit, on va revenir vers la médecine. Ouais. Il dit, non, moi, lorsque je commence quelque chose, il faut que je termine. Ah. Et lui, maintenant, c'est un grand médecin actuellement sur la place d'Alger. Mais c'est le hasard de la vie. Hein. Dans exactement. La vie, parfois, on prévoit quelque chose, et puis il y a une autre bifurcation. Il y a un changement dans la vie, aussi bien professionnel que personnel. Ouais. Et c'est ça la magie de la vie. Tout n'est pas prévisible. On est dans l'incertitude constante. Ça, c'est ce qui fait un peu le charme de la vie aussi. Voilà. Et vous m'aviez dit, moi, je ne reviens jamais, j'avance tout le temps. Très bien. Alors, vous faites votre tronc commun, donc c'est 2 années. Après, vous partez à Polytechnique, à l'école polytechnique de Hassan Badi, Belfort, donc toujours à El Haraj. Ce lien avec El Haraj, il est tout le temps là. Et vous faites quoi comme spécialité à Polytech? J'ai fait de l'électronique. Donc, j'ai fait pendant 3 ans. Oui. De toute façon, parce que j'avais déjà fait 2 ans. Oui. Et puis, j'ai terminé major de ma promotion. Oui. Et j'ai obtenu une bourse pour l'étranger. Alors, vous obtenez une bourse et vous partez sur Grenoble. Sur Grenoble. Voilà. Grenoble qui était une école prestigieuse, hein, puisque vous m'avez dit qu'elle fait partie du top 5 des écoles d'ingénieurs. Tout à fait, Donc c'était pas évident d'arracher sa place. Tout à fait. Et ça se passe comment à Grenoble alors ? Eh bien ça s'est bien passé, J'ai dû préparer un diplôme d'études approfondies. Mm-hmm. Et un de mes camarades de classe... Il est maintenant membre de l'Académie des sciences en France. Mmh. On a terminé ex aequo pour le classement de diplôme d'études approfondies, le DEA. Ah. Et par la suite, j'ai entamé sur un doctorat que j'ai terminé en 2 ans et demi. Voilà. Oui, alors c'est ce qui est fabuleux parce que doctorat, c'est souvent 8 années, 10 années. Vous, c'est à peine 2 ans et demi. Oui, parce qu'on était... Bon, il y a le travail qui a été fait, mais c'était dans le cadre d'un projet. Hein, parce que faire un doctorat, ce n'est pas un doctorat dans les nuages. Il est lié à un travail en contrat avec l'industrie, généralement. Oui. Donc, on avait un contrat avec l'industrie. Ici, c'était la marine, la marine française. Et donc, j'ai dû terminer avant terme le travail. Et donc, le travail étant bouclé, il fallait soutenir, voilà. Très bien. Alors, vous m'aviez parlé justement de quelque chose de très important. On en parle souvent, mais on ne voit pas vraiment la chose venir. C'est ces liens qu'on devrait créer entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise ou de l'industrie. Vous m'aviez dit qu'à l'étranger, il y a des industriels qui sont à part entière membres des conseils dans des universités. Ouais. C'est dire l'importance, justement. Oui. Le développement d'un pays doit passer nécessairement par une collaboration très étroite entre l'industrie et l'université. Ouais. Alors, comment créer ce lien, un lien fort? Parce que, bon, en Algérie, moi, j'ai discuté avec des collègues, pour eux, l'industriel, il n'a pas un niveau scientifique suffisant, à tort. Oui, et l'industriel, il pense que l'universitaire, il est dans les nuages avec des équations mathématiques et il n'y a pas de lien. Oui. Alors, le lien, comment il est fait ailleurs, dans tous les pays, dans tous les pays développés, il faut inviter l'industriel. L'inviter, pourquoi? Pour faire déjà le programme. Pourquoi on fait cette spécialité? C'est une demande des industriels. Il dit, j'ai besoin... avec d'ici 2, 3 ans, 5 ans, j'ai besoin de telle spécialité. Il nous faut, par exemple, des ingénieurs ou des masters dans telle discipline. Ce n'est pas
faire une formation parce qu'on a quelqu'un qui est spécialiste. Non, pour lui faire plaisir. Ouais. C'est une demande d'un milieu socio-économique, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie ou d'autres domaines. Ouais. Donc ça, c'est première chose. Et comment faire ? Il faut inviter, c'est pas inviter, c'est, ils sont membres à part entière des conseils de département, des conseils de faculté, des conseils d'université. Ouais. Dans les grandes écoles, comme l'école polytechnique, le président du conseil d'administration, c'est un industriel. Donc ça, il faut qu'il soit, il faut que l'industriel se dise « mon université, mon école ». Si on arrive à faire ça, la confiance est établie et on innove, on avance. Deuxièmement, des écoles, par exemple, ou des universités comme Stanford ou bien MIT, tous les projets de fin d'études vont vers le développement d'une start-up. Et c'est le nombre d'entreprises créées par l'université qui donne la valeur et qui classe l'université dans le monde. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de honte qu'un professeur crée une entreprise. Naturellement, une entreprise innovante avec des produits technologiques. Tout à fait. Il ne crée pas une entreprise de commerce. Et c'est comme ça que l'économie puisse progresser. Donc, un lien et puis permettre à des étudiants, leur donner les moyens pour créer des entreprises, ça crée de l'emploi, ça enrichit le pays, ça améliore l'économie par ce lien que ce n'est pas nouveau, ça existe dans le monde. Ouais. Pourquoi on ne l'applique pas ? On tout peut l'appliquer. D'autre part, par exemple, pour la France, il y a une taxe que toutes les entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires doivent verser aux universités, obligatoires. Par exemple, je vous donne un exemple, une école d'ingénieurs, plus de la moitié de son budget vient du monde industriel. Ça, c'est, ce n'est pas lié à la recherche. C'est par exemple, je donne bon, je ne vais pas donner des noms d'entreprises, mais toutes les entreprises, par exemple, une entreprise X donne, par exemple, telle université lui donne, par exemple, 20% de sa taxe, l'autre 30%, elle donne 30% de sa taxe à une autre université, etc. Et donc, on récupère cette taxe, et on avance, on travaille avec les entreprises, etc. Donc, je pense qu'il faut revoir, revoir sérieusement le lien. Il ne faut pas voir l'industriel parce qu'on a besoin de lui. Non, il faut travailler avec lui. C'est son université, ça appartient à tout le monde. Voilà. C'est une relation gagnant-gagnant, en fin de compte. C'est... Et c'est pour ça qu'on a un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi chez nous. On forme des gens qui ne trouvent pas de débouché après. Parce qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il n'y a pas un besoin. Et puis l'industriel, peut-être qu'il n'a pas besoin de ce profil-là. Tout à fait. Alors, il faut aller très vite puisque le temps file. On va revenir à l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi ou juste l'intelligence artificielle et quel est son domaine d'action on la retrouve où ? Alors, l'intelligence artificielle, donc je l'ai dit tout à l'heure, on cherche à reproduire le fonctionnement du cerveau, à donner ça à une machine. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Dans les fins des années 50, déjà, on parlait d'intelligence artificielle. Il y a eu une explosion de l'intelligence artificielle à partir des années 90 et on appelle ça le machine learning. Machine learning est une traduction qui n'est pas vraiment très fidèle, c'est l'apprentissage automatique. Et dans les années... À partir des années 2010 et surtout 2015, on est passé au deep learning. Le deep learning, c'est un apprentissage profond ou approfondi. Et là, on utilise une technique, un logiciel fondé sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Alors, pour les téléspectateurs, un neurone, c'est une cellule nerveuse. Donc, on essaie de reproduire, et ces neurones, on les retrouve beaucoup dans le cerveau, mais on les retrouve dans d'autres organes également. Donc, on essaie de reproduire ça avec cette technique des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ça existe depuis pas mal de temps. Alors, elle a connu un engouement, et puis ça a été dépassé avec d'autres techniques. Et maintenant, avec le deep learning, on fait des réseaux de neurones, un réseau avec plusieurs couches. Et on arrive, la machine, on lui donne plus des critères, des caractéristiques pour décider. Par exemple, on lui donne des images. La machine, actuellement, elle peut dire le contenu de l'image. Non seulement reconnaître ce que représente l'image, par exemple un véhicule, mais le contenu. Et là,
C'est la nouveauté. Et donc, c'est pour ça que je parle de révolution. Mmh. Alors, comment ça fonctionne? Brièvement, c'est le même fonctionnement que pour un enfant. Ouais. Un enfant, on ne lui apprend pas une voiture, elle a quatre roues, elle a quatre portes, elle a ceci. Non. On lui dit, voilà, c'est un véhicule, etc. Et puis, il enregistre ça et après, il peut reconnaître. Eh bien, la machine, c'est comme ça. On lui fait un apprentissage avec un volume d'informations très, très élevé. C'est le domaine, ce qu'on appelle, il y a un terme, un mot générique, un mot-clé, big data. Big data. Et donc, il y a un apprentissage très profond avec ça. Et après, la machine devient très intelligente. Alors, les applications, brièvement, on a l'application, par exemple, du véhicule autonome, qui est bien sûr un véhicule électrique, le véhicule autonome de Google. Oui. De Google, et puis il y a le principe, là, vous le voyez, là, on a des capteurs partout, donc le véhicule autonome peut reconnaître si c'est un piéton, si c'est un véhicule, une pancarte, etc. Oui. Donc ça, c'est très important. Oui. Il y a beaucoup de développement de véhicules autonomes maintenant avec Tesla, avec d'autres marques qui sont liées avec Google. Et les entreprises, les stars des entreprises qui sont dans ce domaine de l'intelligence artificielle, deep learning, on a le Facebook, on a Amazon, on a Google, Apple et Microsoft. C'est les géants dans le monde. Ouais. Donc, d'autres applications, c'est le médical et l'imagerie médicale. Ouais. Alors, avant le début de l'intelligence artificielle, c'était l'imagerie, c'est une aide à la décision. À la décision avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ça a dépassé l'aide. Actuellement, ça a été prouvé. Il y a eu des expériences où le diagnostic automatisé par le deep learning dépasse de loin le diagnostic par les humains. Parce que c'est plus rapide. Ouais. On peut, un grand nombre d'informations sont traitées très très rapidement. Et semble-t-il, on peut détecter l'Alzheimer 6 ans avant son apparition et sa reconnaissance par l'être humain. Ouais. Donc il y a des avancées extraordinaires. Et moi j'insiste sur ça, il faut que nos collègues ici puissent se mettre dans ce domaine-là et les industriels également. Parce qu'il y a une révolution, il y a un train à prendre, il ne faut pas le rater. Ouais. Voilà brièvement. Après le doctorat, vous revenez en Algérie. Et vous y restez 10, 11 ans. Ça s'est passé comment, votre retour en Algérie? Alors le retour, il était difficile sur un plan matériel, mais... Ouais. Il y avait beaucoup de choses à développer. J'ai participé, j'ai développé. Par exemple, le premier programme de traitement de signal, je l'ai proposé. J'avais les premiers bouquins, les premiers ouvrages. Babzouar, toujours. Les premiers ouvrages de traitement de signal. Maintenant, je rencontre des gens qui me disent « Oui, j'ai lu votre livre et tout ça. » Moi, je suis gêné parce que le livre, il était fait avec les moyens du bord. Parce que ce n'est pas un excellent livre. Bon, mais quand même, c'était un début. Donc, les premiers livres, c'était à l'OPU. C'était l'OPU. L'Office des publications universitaires. Ouais. Donc, j'avais fait ça. Et bon, maintenant, bon, les livres que je fais, c'est dans les plus grandes maisons d'édition, comme Wiley. Ça, en anglais, c'est la plus grande. C'est une maison d'édition américaine. Ouais. On peut les retrouver. Même, il y a un livre qui sort en 2019 sur l'imagerie médicale, justement. Ouais. Et puis, bon, d'autres livres en France, comme Hermès Lavoisier, etc. Ouais. Donc, le retour était difficile, mais il y avait un challenge à relever. Et donc, on m'a proposé aussi de créer un laboratoire. C'est ce que j'ai fait. On m'a élu à l'époque doyen ou directeur de l'Institut. Bon, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et en 1994, on connaît la situation en Algérie. J'arrivais pas à exercer pleinement mes fonctions. Et donc, surtout après le décès du recteur Jbeil Lahermo. Le ministère a proposé à plusieurs personnes de prendre le rectorat, dont moi. Bon, mais beaucoup de gens ont refusé. Ouais. Bon, mais la vie continue. Sûr, et donc là, j'ai dû partir. Donc vous repartir à l'étranger. Voilà, vous repartez sur Grenoble, mais vous vous retrouvez à l'université. C'était à Le Mans. Le Mans, du Maine. Oui, ouais, pour. J'ai été professeur invité. Professeur invité. Alors, c'est quoi professeur invité, très rapidement? Professeur invité, c'est un professeur qui n'est pas nommé, mais il est sur une période limitée, par exemple une année. Une année. Et pour être professeur, il faut postuler au concours. Et ce qui est intéressant de le dire, c'est
le nombre de professeurs dans une université, il y a un ratio, hein, ce qui ne se fait pas ici. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 20% de professeurs seulement. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui devient professeur, parce que bon, sinon, qui fera les TD, qui fera les TP. Il y a 20% de professeurs. Et puis le recrutement, il est mondial. Il est mondial. Hein. Ça, c'est important de le mentionner. Et je crois que bon, chez nous, ce serait bien de faire... Moi, je viens de ma propre volonté, mais c'est bien de faire appel aux compétences nationales qui sont à l'étranger, les faire venir. Bon, ils ne cherchent pas l'argent. Ce n'est pas l'argent parce que si on veut l'argent, on va dans les pays. Moi, j'ai fait un séjour au Qatar, par exemple, qui paye 5 fois mieux que la France, par exemple. Ouais. On peut aller ailleurs, mais on vient parce que c'est notre pays. Ouais. Parce que, comme me l'a demandé un éminent conseiller du ministère, M. Sarrour, il m'a dit « Pourquoi tu viens ? Dis-moi, entre nous. » Je lui ai dit, tout simplement, je préfère venir... alors que je suis en pleine possession de mes moyens, en marchant, et puis donner le peu de savoir que je possède à mes compatriotes, que de revenir dans un cercueil, je lui ai dit. Ouais. Ça l'a touché, parce que c'est un fils de Chahid, et il comprend ce que c'est que l'amour du pays, voilà. Ouais. Et moi aussi, je le comprends également. Donc, j'étais devenu professeur, et puis, bon, je suis sur le retour, voilà. Très bien. Alors, professeur, vous m'aviez dit que c'était... un titre qui est donné avec un décret présidentiel. Et vous, c'était du temps du président Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui m'a nommé professeur, oui. Très bien. Ça a quand même une symbolique très forte. Alors, je dois dire, ce qui se fait dans tous les pays, les États-Unis, le Moyen-Orient, on donne ce titre-là. C'est-à-dire on devient fonctionnaire alors qu'on est étranger. Oui. Ça, c'est important de le savoir. Oui. Il y a le titre de fonctionnaire. On peut accepter un fonctionnaire étranger juste dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche. Oui. Ça veut dire qu'on a besoin de ces chercheurs. Oui. Hein. Ils sont en train de prendre la matière grise, par exemple, algérienne, qui tout se retrouve. Tout à fait. Et pour moi, on est... Il y a une certaine exploitation, même si on a notre salaire, si on a nos droits, etc. Mais il y a une exploitation. Nos ancêtres ou bien nos parents étaient immigrés. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur donnait ? La pelle et la pioche. Et là, on nous a donné des stylos et des ordinateurs. Ouais. On est des travailleurs immigrés, au même titre. Donc, avant, c'était la main-d'œuvre. Maintenant, c'est la matière grise. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit... Ce qui est surprenant, j'ai appris dernièrement que, par exemple, il y a une école d'informatique à Alger, qui est de très bon niveau, eh bien, plus de 80% de ces étudiants vont en France. Ça veut dire qu'on... Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on finance la matière grise et on la donne ailleurs. C'est ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire aux gens. Les gens doivent être libres de partir. Mais il faut leur donner les moyens pour... De rester ici. Et créer un espoir. Vous m'avez parlé de l'importance de la publication. On publie très rarement chez nous, dans les grandes revues, je veux dire. Un mot sur les publications. Alors, les publications, c'est très important. C'est très important d'abord pour le chercheur, mais pour l'université. Il y a un classement mondial des universités. L'université algérienne, malheureusement, dans les plus grands classements, elle est hors classement, sauf peut-être quelques petites spécialités qui sont reconnues. Donc, les publications, il y a plusieurs revues, plusieurs indexations de revues. D'accord. L'indexation, par exemple, je vais donner une analogie avec le foot. Oui. Par exemple, il y a la Ligue, la Champions League. Tout à fait. Hein. Alors, pour être là, on appelle maintenant, avant on disait Web of Science, ensuite Thomson Reuters, maintenant on dit Clarivate Analytics. Il faut aller vers ces revues. Oui. Et dans ces revues, il y a le Q1, c'est-à-dire être parmi les 25 meilleures revues du domaine, ensuite les Q2, etc. Et donc, il faut tenter d'être là-dedans. Et c'est très difficile. Il faut du travail sérieux. Il faut éviter le plagiat. Il existe. Ça a noirci certains collègues, le plagiat pour les publications. Ouais. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de compétences intéressantes en Algérie. Ouais. Hein. Je vous laisse conclure, professeur. Alors, bon, pour les jeunes, je crois que l'Algérie, c'est un pays où on peut faire une carrière dans divers domaines, grâce aux études. Il faut faire des études. Même si on a envie de faire une entreprise, faire quelque chose, il faut étudier. Ouais. Il faut faire du management. Ouais. Il faut les langues. Ouais. Les langues. Passer à la langue anglaise, c'est très important. Et je crois qu'on a un potentiel en Algérie. Il existe. Il faut
que ce potentiel puisse s'exprimer, donner des moyens, un environnement, une maintenance. On fait quelque chose de nouveau, sachez qu'au bout de quelques années, il va se détériorer. Il faut derrière le rénover. Tout à fait. Il faut un suivi. Ouais. Il ne faut pas laisser tomber les choses. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on peut avancer. On peut avancer. Mmh. Je garde espoir. Ouais. Et je dis aux jeunes, travaillez. Travaillez. Ouais. Vous allez avoir des fruits. Ouais. Et une fois que vous devenez... C'est bien aussi qu'ils fassent des études à l'étranger pour avoir une première expérience. Bien sûr. Mais... revenez dans votre pays, comme le font beaucoup de pays qui se sont développés, la Turquie, le Pakistan, l'Inde, la Chine et d'autres pays. Ouais. Il y a un retour de la diaspora. Ouais. Il y a un accueil aussi. Ouais. Il faut les accueillir. Il faut qu'ils gardent leur... S'il est professeur, il ne faut pas le ramener, il devient maître assistant. Ouais. Il faut qu'il reste professeur. Ouais. Il a fait ses preuves déjà. Ouais. Il est venu pour apporter quelque chose. Il ne vient pas pour gagner de l'argent. Parce que c'est son pays. Ça lui appartient, ce pays. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà ce que je dis. Moi, je pense que les jeunes, je leur dis, il y a de l'espoir. Ouais. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas qu'ils soient démoralisés. Et on a de l'espoir. C'est un pays qui avance. Très et on doit avancer. Voilà. Matélé à moi reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez certainement, ne serait-ce que par la voix. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à la réalisatrice de ne pas le montrer tout de suite. On va lui demander à lui de nous dire quelques mots, histoire de reconnaître justement cette voix. L'environnement, c'est l'affaire de tous. En environnement, il n'y a pas de frontières. Voilà, donc vous l'avez compris, il s'agit bel et bien de Hamid Belkacem, qui est venu aujourd'hui, non pas en tant que journaliste à la chaîne 3, à la radio chaîne 3, mais pour nous parler de l'environnement. Hamid, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'affaire de tous, l'environnement, dont tu en souscris et qui ont pris aux émissions télé. On te prête souvent, depuis quelques années déjà, le nom de Monsieur Environnement. Ça fait quoi de porter un tel titre? C'est très lourd. Je dirais que ça fait le week-end passé, on a fêté, commémoré la mort de l'Arbi Ben Mehdi, une icône, qui avait dit « Mettez la révolution dans la rue, elle sera portée par des millions d'Algériens ». Je dirais la même chose. Mettez l'environnement à la portée de tous, il sera porté par des millions d'Algériens. C'est très bien dit. Alors, le mot « environnement » est un mot qui est galvaudé. Alors, on ne sait plus, quand on parle d'environnement, on parle de quoi réellement? Pour Hamid Belkacem, le mot « environnement » signifie quoi réellement? En fait, c'est un ensemble de choses et l'environnement est toujours en doit, on se doit de toujours de l'associer au développement durable. Depuis 72, on le sait, le développement durable, c'est le développement socio-économique du moment. Il faut avoir un modèle de développement, mais sans oublier pour autant le droit des générations futures. Et donc, quand on parle d'environnement, on l'associe toujours au développement durable. Il ne faudrait pas qu'on ne se soucie pas des générations qui arrivent. Très bien. Tout à l'heure, tu m'avais dit quelque chose, on discutait comme ça avant l'émission, où je t'avais dit, qu'on te surnommait Monsieur Environnement, tu m'avais répondu, j'aurais souhaité que tous les Algériens soient Monsieur Environnement. Parce que réellement, c'est l'affaire de tous. Comme on dit chez nous, il ne s'agit pas d'avoir une stratégie, une politique. Il faut qu'il y ait des relais médiatiques dans le mouvement associatif, mais aussi dans les quartiers, dans les centres de recherche. Ouais. Parce que seul, on ne peut pas. Et donc, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de monsieur environnement. Il y a un environnement, un développement durable auquel il faut adhérer. Très bien. Alors, on ne va pas tarder pour attaquer ton programme, puisqu'il est assez riche quand même. Et ton premier choix s'est porté sur la chanson de Hajj Mohamed Lanka. Tu avais choisi quoi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est une chanson qui a été choisie. J'ai accepté parce que c'est toi. Hein.
une chanson qui a déjà été choisie dans l'émission. Et le principe justement de l'émission, c'est de ne pas rediffuser les programmes déjà pris, du moins pas dans l'immédiat. Mais j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un choix du cœur, Hamid. C'est pour ça que j'ai fait exception. C'est vraiment ça. Hein. C'est le choix du cœur, tout simplement parce que, à l'aune de ce qui se passe à travers le monde, on a souvent tendance à oublier toute l'importance d'être libre aujourd'hui et de comprendre aussi que la liberté, c'est un concept large, mais en matière d'environnement et de développement durable, le colonialisme, c'est la négation de l'environnement et du développement durable. On le voit, exploiter les richesses sans retenue et surtout, pour ce qui concerne le Grand Sud algérien, qui a été fortement irradié lors de la période coloniale. Donc aujourd'hui, être libre veut dire beaucoup de choses pour moi. Alors, dès qu'on te parle de quoi que ce soit, tu ramènes tout à l'environnement. Et c'est excellent parce que j'ai vraiment envie que tu nous dises comment a atterri Hamid Belkacem dans l'environnement. C'est tes études, c'est un choix par défaut, c'est ce que tu as toujours souhaité faire. C'est une question très difficile. C'est en sorte mes études, mais c'était un choix. Quand j'ai un bac sciences, donc tout à fait naturellement, je me suis dirigé vers l'université des sciences et de la technologie Houari Boumdine pour faire transformer sciences de la nature. Donc, et c'est là, en fait, où il y a eu une symbiose de tous les intrants liés à l'environnement, où ce qui était une préoccupation est devenu une passion. Oui. Et c'était, j'allais dire, le train de l'environnement. Mais ça a toujours été, vous savez, quand on vient tous d'un monde rural. Je connais très peu d'Algériens dont l'arrière-grand-père est né à Hydra ou à la grande poste d'Alger. Hein. Donc, tout à fait. Et j'ai toujours eu, mon père, l'Arhamo, a toujours eu la main verte. Et même à Alger, on avait un petit lopin de terre où il faisait pousser beaucoup de choses. Donc, il m'a transmis un petit peu sa main verte. Et donc, les prémices de l'environnement, je les ai eues très tôt à la maison. À part l'environnement, tout petit, tu rêvais de faire autre chose? Honnêtement? Oui. Marin. Ah. Marin, c'est... On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Hein. Oui, c'est les sciences de la mer, l'environnement en fait partie. Tu n'as jamais regretté ce choix? Il t'arrive pas des fois d'avoir le sentiment de prêcher comme ça dans le désert? Non, jamais. Non, du tout. Du tout, parce que je sais que le temps donnera raison à ceux qui prêchent la bonne parole. L'environnement est un... On le voit aujourd'hui, hein, tout ce qui se passe à travers le monde, toutes ces négociations ont trait à l'environnement et au développement durable. Seulement, il y a une précision de taille. Il ne faut pas être naïf. Quand on parle d'un processus de négociation, il y a toujours des questions éminemment économiques, pour ne pas dire politiquement stratégiques, qui se cachent derrière des enjeux environnementaux. Très bien. Alors, ton deuxième choix, il faut dire que je m'y attendais, hein, parce que franchement, si tu n'avais pas pris l'Ard ou le Fellah, je pense que personne d'autre n'aurait pris cette émission, et pourtant, c'est une émission qui nous a tous marqués. Alors, on va juste voir un extrait de l'Ard ou le Fellah avec le regretté Ahmed Wahid. حول الزراعة بولاية ورقلة ندعوكم اليوم للتعرف على المصادر المائية واستغلالها والنتائج المحصلة عليها حتى الآن في ميدان الري وآفاق المستقبل. فمن المعروف والمؤكد حاليا أن المناطق الجنوبية وخاصة ولايات الأغواط وورقلة وبسكرة تتمتع بمصادر مائية هامة من المنابع القريبة من سطح التربة إلى منبع للبيان الذي سيلعب في المستقبل دورا هاما في مجال تنمية الزراعة وتوسيعها وتكثيفها في المستقبل.
لأجل استخراج المياه بالجنوب توجد حاليا 4 شركات جهوية كبرى مختصة في الحفر والتنقيب على المياه وفي إنجاز مشاريع صرف المياه وتجهيزات الري بالجنوب، وهي موجودة في كل من أدرار والأغواط ووركلة وتمر راس. هذا علاوة على ça fait vraiment du bien d'entendre la voix d'Ahmed Wahid parce qu'elle nous a bercé quand on était jeunes. Et puis, c'est une émission, je pense, qui compte pour des gens comme toi. Il était précurseur, il était en avance sur son temps. Oui. Il serait peut-être assez intéressant de revisiter Ahmed Wahid, mais rediffuser ses émissions, parce qu'on le voit, on parle de forage. C'est d'actualité, justement. C'est d'actualité. Tout à fait. Il parlait de l'exploitation de la nappe albienne il y a de cela 40 ans. Et ce n'est que ces dernières années qu'on a réalisé le projet du siècle, le transfert de l'eau de Ain Salah vers Taman Rasset. Ouais. C'est juste pour dire que c'est important. Moi, ça m'a marqué. Ahmed Wahid, feu Ahmed Wahid, était un grand monsieur. Justement, je pense que l'émission doit son succès à Ahmed Wahid. On sentait chez lui que c'était quelqu'un de convaincu, d'engagé. Et puis l'environnement, c'est une cause. Donc s'il n'y a pas cet engagement... Il a fait de l'environnement sa passion. Il a fait de l'agriculture sa passion parce qu'il était dedans. Il avait compris très tôt. Malheureusement, il n'a pas été, il faut le dire, suivi pour faire de l'Algérie un bon pays agricole, un grand pays agricole. Les potentialités étaient là. Tous les ingrédients étaient là. On n'a pas su accompagner son message pour réussir le boom économique et ce qu'on appelait à l'époque la révolution agraire. Très bien. Alors, moi, j'ai des images à te proposer de quelqu'un qui, j'en suis sûr, y est aussi pour quelque chose par rapport au chemin que tu as choisi de suivre, justement. On regarde ces images et on revient juste après. Désireux de faire la connaissance de l'un d'eux, Cousteau joue quelques instants avec lui. Ah, tu le vois. Tu ne le vois plus. Mais l'animal réalise très vite que les objets remuant sont parfaitement comestibles. Là, avec de l'omotte et sumian, il se prépare à une plongée d'exploration au fond de la cheminée mystérieuse. L'émetteur d'un éco-sondeur destiné à mesurer les profondeurs est descendu à travers le puits rectangulaire de la plateforme de plongée. Qui ne se souvient pas des documentaires du commandant Cousteau? Alors, le commandant Cousteau pour Hamid Belkacem? C'est un grand monsieur, je ne sais pas si je suis plus branché environnement ou mer, mais c'est les deux, parce qu'il y a la dimension marine de l'environnement, mais bon, c'est une deuxième, vous le savez, je suis plongeur, je m'occupe d'une association de plongée sous-marine à Tamenfoust, le QTS de la baie d'Alger, et nous tous, je veux dire, moi, ma génération, Cousteau, c'était... Un grand monsieur, un pionnier, grâce à qui nous avons compris toute la dimension marine. On ne le savait pas à l'époque, mais aujourd'hui on parle d'économie bleue, tout ce qui a trait à la mer. Tout à fait. Et on se retourne, et on retourne vers la mer pour un pays comme l'Algérie, pour faire le dessalement d'eau de mer, qui est une autre source. Donc, Ahmed Wahid parlait tout à l'heure des ressources en eau au niveau du sud algérien, et Commando Tousteau, la dimension marine, l'économie bleue, que du bonheur. Tout se rejoint. Tout se rejoint. C'est ça, justement, l'environnement. Voilà. Alors, toi, par contre, tu as choisi de faire de la radio. Alors, ça se passe comment et quel impact a, justement, la parole de Hamid Belkacem grâce à ce média? Enfin, pas que Hamid Belkacem, à la radio, il y a beaucoup de... Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'environnement. Vous savez, l'environnement, c'est tout. Quand on parle d'économie, c'est de l'environnement. Quand on parle de ressources en eau, c'est de l'environnement. Quand on parle d'énergie, c'est de l'environnement. On essaye d'accompagner les auditeurs en expliquant quelle est surtout l'interaction de tout ce qui a trait à l'environnement. Mm-hmm. On essaye parfois aussi
dans la mesure du possible, lorsqu'il y a des conjonctures politiques adéquates, d'accompagner les décideurs. Quand on parle d'environnement, on parle, j'allais dire fatalement, forcément, dans un pays qui connaît un stress hydrique, d'eau. L'eau, c'est l'énergie. L'Algérie, vous savez, en 5 ans, l'Algérie a investi 18 milliards de dollars pour les ressources en eau, pour mettre en place une stratégie pour avoir de l'eau H24 un petit peu partout. C'est un très grand défi, c'est un gros budget, sauf qu'il faut faire attention à ce que l'on fait. Quand on parle de l'eau, le dessalement, il faut gérer ce qui va avec, c'est-à-dire l'énergie. Il faut énormément d'énergie pour avoir de l'eau H24, une eau précieuse qu'il ne s'agit pas de gaspiller. Parce que quand on gaspille de l'eau, on gaspille cette ressource, mais il faut que chacun de nous sache qu'on est en train derrière de gaspiller de l'énergie, parce que le dessalement d'eau de mer est énergivore. Pour avoir de l'eau, c'est de l'énergie électrique, il faut du gaz derrière, et on doit laisser un petit peu de gaz à nos enfants. Ouais, il faut penser à eux. Alors, en plus de l'eau, quels sont les nouveaux défis? Bon, on a vu que pratiquement les mêmes défis reviennent, mais quels sont les nouveaux défis auxquels est confrontée l'Algérie en matière environnementale aujourd'hui? C'est les changements climatiques. Mais là-dedans aussi, il faut faire très attention, parce que dans le cancer des nations, il faut être présent, il faut être présent en force, il faut être formé. Aujourd'hui, il y a la diplomatie environnementale. Vous savez, on parle beaucoup de changement climatique, de gaz à effet de serre, de taxe carbone. Un exemple très simple. L'Algérie fournit à un certain nombre de pays, notamment européens, des hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz. Dans ces joutes internationales, on essaie de taxer les pays producteurs d'hydrocarbures, parce que la production se fait sur notre sol. D'accord. Mais une bonne partie de la production va aller alimenter les autres pays. Donc si, et c'est un jeu parfois très malsain. On essaye de nous taxer, on essaye de se défendre. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la production, l'Europe en face risque de s'arrêter. On continue, donc il s'agit toujours de négocier. On ne peut pas non plus arrêter d'exporter du pétrole et du gaz pour ne pas avoir à payer de taxes, parce que le pétrole et le gaz, c'est ce qui nous sert à acheter des céréales et des médicaments et à développer le pays. Donc c'est un jeu qui est parfois un petit peu difficile à comprendre, mais il faut y aller, il faut être de la partie, il faut se défendre. Ah ben, il le faut. Alors, l'un des défis justement auxquels est confrontée l'Algérie est également la désertification. Et moi, je garde toujours en tête des images d'opérations de volontariat ou des opérations menées par les membres de l'Armée nationale populaire par rapport à une opération qui portait le nom du barrage vert. Encore une fois, l'Algérie était précurseur en termes de compréhension de l'environnement. Vous savez, en 1992, il y a eu le sommet de la Terre à Rio. Ça fait quand même un certain nombre d'années, ça fait 26 ans. Et l'une des rares conventions à ne pas avoir fait l'objet d'une attention particulière, c'est la convention de lutte contre la désertification. Or, aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que le premier mal de la planète, le premier fléau, le premier drame, ce ne sont pas les changements climatiques, mais bel et bien la désertification. Mais comme la désertification ne touche pas la partie nord de la planète, on ne se soucie pas beaucoup. Juste à titre d'indication, il y a 1541 communes en Algérie. 965 sont touchées de manière directe par la désertification. Or, on ne retrouve pas cet aspect de lutte contre la désertification dans beaucoup de discours. Et c'est bien malheureux, parce qu'on était précurseurs et quelque part, on a reculé en termes de compréhension des dangers du défi de la désertification. C'est le premier drame de la planète. Il faut mettre en avant les outils pour atténuer, parce qu'on ne peut pas lutter contre la nature, mais on atténue juste les effets. Et juste pour dire merci pour le barrage vert, parce que c'était une épopée digne de très grandes épopées mondiales, à marquer d'une pierre blanche, parce que le barrage vert a permis d'abord à
à des jeunes du service national de se connaître. Le gars de le jeune d'Ilizi a connu le jeune de Tlemcen et celui de Tébessa a connu le jeune de Béchar. Mais faire une œuvre commune, malheureusement, il ne reste pas grand-chose du barrage vert parce qu'il n'y a pas eu de continuité. On peut reconduire une telle opération ? Tout à fait. C'est très facile à faire, en fin de compte. En fait, c'est facile. Pour peu qu'il y ait cette volonté, justement. Il faut qu'il y ait, c'est la volonté qui est la locomotive. Ensuite, il faut mettre en place les wagons dans un ordre bien précis. Il y a de la main-d'œuvre, et honnêtement, il y a la main-d'œuvre carcérale, il y a les droits de l'homme, tout à fait. Mais on peut avoir de la main-d'œuvre, entre guillemets, payer bon marché, la... payer. Oui. Et peut-être que le jeune qui a commis une bêtise d'ordre moyen, en étant bien accompagné par des techniciens forestiers, il va peut-être aimer le boulot, être recruté par la Direction Générale des Forêts après avoir purgé une peine de manière utile, pourquoi pas. Où en est le mouvement associatif, justement, par rapport à la question environnementale ? Question difficile. Beaucoup de bonne volonté, absence réelle de mise en réseau pour différents facteurs. Au jour d'aujourd'hui, le mouvement associatif est certes là, mais il est désorganisé. Pour mille et une raisons. Pour être organisé, il faudrait un peu plus de temps, un peu plus d'argent. Mais en ce moment, l'argent fait défaut parce que le pays traverse une crise un petit peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain ? Il y a des actions qui sont éparses, mais ce n'est pas… – Ce n'est pas coordonné. – Ce n'est pas coordonné et ce n'est pas constructif parce que dans le mouvement associatif, on se doit de se serrer les coudes et de les uns et les autres. Vous avez parlé du barrage vert, vous savez… que la radio prépare aussi une opération de plantation d'arbres, et le mouvement associatif pourrait intervenir de manière massive. Oui, alors je n'aime pas trop parler politique, mais il faut dire aussi que nos partis politiques, à part lors des campagnes électorales, où ils font l'effort de parler de la chose environnementale, après, mais je vais répondre. Pour eux, c'est vraiment pas une urgence, alors que c'est… – C'est le désert, mais parce que, j'allais dire très gentiment, qui fait de la politique en Algérie ? On est souvent intéressé par autre chose que l'acte politique. Et quand on fait de la politique, soit par incompréhension de l'interaction de l'homme avec son environnement, en confondant souvent environnement et hygiène, or, l'environnement, le développement durable, c'est des choix stratégiques. En Algérie. On a très peu vu les partis politiques s'impliquer dans au moins expliquer ce qu'est le gaz de schiste. Pourquoi on va aller vers le gaz de schiste? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne l'est pas? Pourquoi est-ce qu'on ne s'orienterait pas beaucoup plus vers les énergies renouvelables? Il y a très peu de débats en termes de politique. Et dans le débat politique, l'environnement et le développement durable est quasiment absent. Et donc, en l'absence aussi de partis verts, écolo, on est proche du zéro, quoi. – On en a eu quelques-uns au début, lorsqu'il y a eu cette ouverture justement politique, où il y a eu la création de pas mal de partis politiques. Certains ont surfé justement sur cette vague environnementale, mais après… – Ils ont dû prendre la mauvaise vague. Donc ils n'ont pas su surfer dans le temps parce que l'environnement c'est aussi de la durabilité, c'est le développement durable. Donc ces partis politiques, s'ils sont intéressés à l'environnement, ils ne se sont pas intéressés à la partie durabilité. Tout à fait. Alors par rapport à ton choix de film, tu as choisi un film, franchement merci, parce que j'avais hâte que quelqu'un le choisisse. Alors il s'agit des Enfants de Novembre, Aoulet de Novembre de Moussa Haddad. On regarde. هذاك اللي عنده وليد وعلي نعرفه علاش
نعطيك واحد الكوا غديهم له بصح عطيهم له لي دوا رتبك تعطيهم كاش واحده اخرى ما تخافش ورتبك يطيحوا في يد البوليسيه تاع الغاوه ما تخافش عاود واش قلت لك قلت لي ادي الكوا هادو عند مول الطباخ وبالك يطيحوا في يد البوليسيه صح هيا روح اجري روح تيجو نوكو سيطاي Quel film, et puis moi je retiens surtout l'interprétation du petit Abdelkader Hamdi qui interprète le rôle de Mourad Ben Safi, le vendeur de journaux. Alors c'est un choix qui rejoint un peu le premier choix hein, quand on parlait de l'indépendance avec la chanson. Oui, c'est un choix artistique mais un choix aussi historique. Ouais. Mourad Ben Safi, un grand acteur, et aussi les enfants de 9 ans, parce que je pense que tous les Algériens de 2018 doivent se revendiquer de novembre, parce que ça reste quand même la plus belle, la plus héroïque et la plus glorieuse de toutes les guerres de libération. Et vous savez, on parle d'environnement, de développement durable, la novembre, la déclaration du 1er novembre commence par « à vous qui êtes appelés à nous juger ». Et je ne sais pas, en matière d'environnement et développement durable, si nos enfants demain, de quelle manière ils vont nous juger sur nos choix en matière d'environnement, nos choix et nos stratégies en matière de développement durable. Pourquoi est-ce qu'on a laissé, par exemple, bétonner la Mitidja? Pourquoi on n'a pas fait certaines choses qui auraient pu booster l'Algérie dans le concert des nations en matière de développement durable? Et je ne sais pas, pour toi, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, transmettre ce message de novembre aux jeunes générations, mais sans démagogie et tout en prenant compte, justement, de la réalité actuelle, celle des nouvelles technologies? Est-ce qu'on ne devrait pas adapter ce message, justement, à cette nouvelle réalité? Vous savez, il y a une transmission de pas par les parents ou les grands-parents, par le cinéma. Oui. Et je suis un petit peu triste et attristé de voir qu'on ne revisite pas l'histoire de la glorieuse révolution algérienne par le cinéma. Il y a eu une période où il y a eu un certain nombre de films qui ont été faits dans Les Enfants de novembre, le Charbonnier, l'Opium et le Battant. Et puis il y a eu
ce désert cinématographique, parce que l'Algérie des années 70 produisait énormément. Il y avait, c'était l'âge d'or du cinéma algérien. Il y a le cinéma, il y a nous, les médias, parce que les parents sont de moins en moins là, et ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas la faculté de raconter parce qu'ils sont âgés. Et pourtant, c'est un devoir de mémoire pour expliquer et revisiter l'histoire pour les plus jeunes, pour leur faire tracer un cap vers le développement durable, justement. Très bien. Alors, moi, j'ai des images à te montrer d'un film, La 11e heure. C'est un film, ou Le dernier virage, c'est un film qui a été produit par Leonardo DiCaprio. Je te montre ces images, je te dirai pourquoi après. There's a fundamental illusion in the world that somehow people are separate from nature. Food is becoming poisoned. The worst is yet to come. Human beings are the source of the problem. We can be the foundation of the solution. We face a convergence of crises. Industrial civilization has caused irreparable damage. By the middle of the century, there may be 150 million environmental refugees. Not only is it the 11th hour, it's 11:59. I see a world in the future in which we understand that all life is related to us, and we treat that life with great humility and respect. What a great time to be alive, because this generation gets to completely change this world. Our response could very well save this unique blue planet for future generations. Au fait, j'ai choisi ces séquences justement pour te parler de ces célébrités comme DiCaprio, mais avant lui Arnold Schwarzenegger ou Michael Jackson à travers sa chanson Heal the World et tout. C'est des célébrités qui s'engagent justement dans le domaine de l'environnement. Qu'en penses-tu d'abord? Et puis, est-ce que tu ne penses pas que nos artistes, par exemple, pourraient en prendre exemple? Tout à fait, ils devraient prendre quelques-uns qui essaient, mais parce qu'on est un pays jeune et parce qu'on n'a pas encore très bien saisi toute la complexité et l'importance de l'environnement et du développement durable. En fait, qui dit environnement, développement durable, dit avenir, tout simplement, parce que les ressources se raréfient, il faut faire preuve d'ingéniosité pour gérer le présent et préparer l'avenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas inciter les artistes algériens à épouser la cause environnementale, à se battre, parce que c'est vrai, ce sont des personnalités connues. Moi, j'aurais aimé trouver beaucoup d'artistes, aller sur une plage qui est sale, aller sur des projets de route ou d'autoroute et dire que ce tracé n'est pas le bon. Je pense particulièrement à Alcala. On aurait pu faire changer le tracé de l'autoroute, desservir des localités et connaître un vrai développement durable de la région. Or, le politique essaie toujours de régler des problèmes d'infrastructure dans l'urgence pour pouvoir répondre à une demande de la population. Mais parce qu'on est pressé, on ne sait pas faire le bon choix. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir et les artistes en matière d'environnement peuvent faire du lobbying et être ce contre-pouvoir. – Par rapport au projet justement de l'Qala, vous m'avez dit maintenant que c'est fait, il y a toujours moyen de… À la limite, atténuer, c'est... Il y a toujours moyen, vous savez, on peut donner... Tu m'as parlé d'une expérience en Afrique du Sud. Vous savez, on fait toujours le pourquoi Al-Qala? Al-Qala, d'abord, il y a une violation des lois de la République. Le parc national d'Al-Qala a été créé par décret présidentiel. Donc, par respect aux institutions du pays, on se doit d'essayer de trouver des moyens d'atténuation. On parle Al-Qala parce que c'est un parc qui peut drainer beaucoup de... visiteurs, et parmi ces visiteurs, beaucoup de chercheurs. C'est le parc le plus grand, le plus vaste, le plus beau, mais surtout le plus riche en matière de biodiversité de tout le bassin méditerranéen. Peut-être que les solutions médicinales, mais surtout médicales, les nouveaux médicaments peuvent trouver leur solution au niveau du parc national d'Al-Qala. En termes d'écotourisme, il y a quelques petites dizaines de millions de dollars à récupérer annuellement en invitant des touristes étrangers, comme le fait si bien l'Afrique du Sud à travers le parc national du Kruger. Vous savez, le parc national du Kruger, il n'y a pas d'autoroute. Il y a une piste en terre battue. C'est une piste qui est ouverte et dans laquelle circulent des gens, plus de
3-4 millions de visiteurs, dont plus de 2 millions de touristes par an, qui ramènent beaucoup de dollars à l'Afrique du Sud. Mais dans le parc national du Kruger, cette route, qui est tout simplement en terre battue, il est interdit de circuler à plus de 60 km/h et il est interdit d'y circuler le soir. À la nuit tombée, on ferme cette route pour ne pas causer de désagréments à la nature, les gaz d'échappement, mais aussi à la faune qui a besoin de se reposer. Tout à fait. On a fait un petit peu le contraire de l'Afrique du Sud. On a mal compris les impératifs du développement. Il fallait faire une autoroute qui puisse aboutir aux frontières est, desservir la Tunisie, avoir des échanges touristiques et aussi économiques, mais la faire passer par le parc national d'El Qala, honnêtement, c'est une grosse bêtise. Pour parler justement de l'environnement à l'international, on parle des COP 20, 21, 22, c'est des chiffres qui se suivent et qui pratiquement se ressemblent. Où en est la question environnementale de nos jours, surtout avec les climato-sceptiques? C'est une question d'intérêt. Vous savez, aujourd'hui, le monde se développe. Et dans ce monde, il y a une guerre vers les qui est leadership. Oui. Quand on voit, et quand on voit ce qui se dit dans ces conférences, comment ces conférences sont rapportées, quelle information est destinée au grand public? Un petit exemple peut-être pour illustrer ce que je dis. On parle de première puissance ou premier pays pollueur de la planète, on vise directement la Chine. C'est vrai. Mais on oublie souvent de dire que par tête d'habitant, ce n'est pas le citoyen chinois qui pollue, mais c'est bien bel et bien le citoyen américain. Que le citoyen américain, la production de carbone est de 15 fois supérieure à celle du chinois et que l'européen, c'est au moins 5 fois supérieur au chinois. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle d'indice de développement, on rapporte toujours par tête d'habitant. Quand on parle de progrès, quand on parle de maladie, quand on parle de consommation, c'est toujours 2 kg de sucre par an par habitant. Mais quand on parle d'environnement, normalement, c'est toujours la Chine. Donc, c'est juste pour illustrer que c'est une question de leadership. Les choix technologiques, on nous impose des normes. Vous savez, certaines normes, c'est un néocolonialisme. On dit qu'il faudrait aller vers les énergies renouvelables. Certes, qui détient le savoir? Quand la Chine est parvenue à produire de manière low cost, à très bon marché, des panneaux photovoltaïques, on les a taxés. On leur a interdit l'accès au marché européen. Aujourd'hui, dans le concert des nations, quand il y a ces grandes rencontres écolo-politiques, on vous dit, oui, il faudrait éviter de brûler du bois et tout. Mais vous savez, quand on habite un petit village dans un pays de l'Afrique du centre ou subsaharienne, quand on n'a ni eau, ni électricité, on ne sait même pas ce que c'est qu'Internet ou la télévision. Tout à fait. Et quand on vous dit, ah non, c'est le petit arbuste qui va faire impacter négativement le climat mondial, c'est très difficile à comprendre, croyez-moi. Et donc, il y a des intérêts d'abord économiques, il y a des intérêts de leadership, ensuite l'environnement arrive après. Même si les données aujourd'hui font que notre modèle de développement est un petit peu dangereux. Mais il faudrait ne jamais oublier qu'il y a des pays à responsabilité historique. La révolution industrielle n'est pas née dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Elle est née là où aujourd'hui on nous dit que c'est notre avenir est commun, il est lié et que tout le monde doit mettre la main à la poche. Exactement. Vous savez, quand vous avez une ville comme Las Vegas qui consomme autant d'énergie que tout le continent africain, ça vous donne à réfléchir. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, je sais une chose, c'est que les gens qui sont dans le domaine de l'environnement sont des gens toujours positifs. Donc tu restes positif quand même, optimiste, mais même si sûr. Le combat ne fait que commencer en quelque sorte. À la base de l'environnement, il y a la vie. Et quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. On est positif parce qu'il faut y croire. Il faut croire en l'homme d'abord, parce que c'est lui l'acteur du changement. Il faut croire en la jeunesse, à ceux qui arrivent. Et il se trouve que ceux qui arrivent, contrairement à notre génération, on a failli, faut le dire, on a failli de manière, j'allais dire, lamentable. Mais ceux qui arrivent sont beaucoup plus emprunts
d'environnement, de développement durable. Donc je pense qu'il y a de l'espoir, il faut juste leur ouvrir les portes, certaines portes, pour qu'ils puissent s'exprimer librement, et surtout être acteurs de leur avenir. J'espère qu'ils tireront des leçons de nos échecs à nous. Mais voilà. dans l'histoire des générations, c'est toujours comme ça. L'histoire, c'est des échecs. Et je pense que le jour où on mettra l'économie au service de l'homme et non pas l'inverse, on aura fait un grand pas. Tout à fait. Alors, un dernier mot peut-être, Hamid ? Parce que c'est déjà passé. Ça passe très vite. En fait, l'environnement, c'est réellement l'affaire de tous. Mm-hmm. L'environnement commence dans la cellule familiale. Il commence aussi dans le quartier, dans l'école, dans la mosquée. Ouais, la mosquée. C'est réellement l'affaire de tous. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, je suis un petit peu parfois chagriné, parfois positif. Mm-hmm. Il y a des éléments positifs quand on voit des jeunes qui s'investissent, qui vont aller dans le sud algérien et tout. Vous savez, on est le pays le plus vaste d'Afrique. Ouais. Et quand j'en vois des décideurs politiques dire qu'il y a un problème de foncier, je me pose des questions. Ouais. Il y a des problèmes de foncier au Paradou, à Hédra, à Traoran, mais il n'y a pas de problème de foncier à Hassibahbah, à Ilizi. Vous savez, quand on voit Tamanrasset et quand on voit qu'il y a encore 700 km pour arriver aux frontières maliennes, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'on est un grand pays, il y a beaucoup de ressources, et la meilleure ressource, c'est la ressource humaine. Et donc, quand on met en équation tout cela, je pense que l'histoire de l'Algérie s'écrira aussi à l'avenir.